Bonjour à tous. Les événements de la série coréenne commencent avec la vétérinaire nommée Yeon-su qui monte sur son vélo et en chemin, Yeon-so voit une publicité qui a été collée sur un arbre puis enlève la publicité de sa place parce qu'elle ne l'aimait pas et met à sa place la publicité de sa clinique. Yeon-so semble être une fille travailleuse et ambitieuse car elle aime beaucoup son travail. Nous nous tournons vers un chef d'entreprise nommé Lee qui se réveille du sommeil et s'habille prêt à aller dans son entreprise et après son arrivée dans l'entreprise. Lee est surpris par la présence d'un chien et demande à l'un des employés pourquoi le chien est dans l'entreprise. L'employé lui dit que le chien participera à la nouvelle publicité. La colère transparaît sur les traits du visage de Lee et il est clair qu'il n'est pas d'accord avec la participation du chien à la publicité. Nous revenons à Yeon-so, qui était dans l'étable car sa clinique est proche d'un simple endroit à la campagne et donc elle travaille beaucoup dans le traitement des vaches malades. Yeon-so était satisfaite de son travail malgré sa difficulté et sent qu'elle est capable de rembourser ses dettes et d'améliorer sa situation financière. Yeon-so reçoit un appel de son ami Gemma qui lui rappelle la fête de retrouvailles et à la fête, Yeon-so rencontre Gemma qui lui dit qu'elle devrait penser au mariage ou au moins elle devrait avoir un petit ami. Yeon-so ne se concentre pas avec son ami Gemma parce qu'elle se concentrait sur la nourriture devant elle parce qu'elle aime manger beaucoup jusqu'à l'arrivée de la méchante fille Ori, qui aime harceler Yeon-so avec ses mots et la ridiculise en disant que sa clinique existe sûrement dans un endroit simple et pauvre comme elle. Pendant le tournage de la publicité en compagnie de Lee, le chien qui participe à la publicité s'enfuit de l'endroit et Lee essaie de l'attraper et pendant ce temps, Yeon-so quitte la fête seule car elle est agacée par les paroles de Yeori et soudain, Yeon-so voit le chien en fuite debout devant l'endroit où elle est assise. Yeon-so peut manipuler le chien en tant que vétérinaire et découvre que sa température est très élevée et commence alors à résoudre le problème de santé dont souffre le chien. Lee apparaît soudainement et essaie d'emmener le chien avec lui calmement mais Yeon-so le regarde nerveusement et lui dit que ce qu'il veut faire n'est pas bien. Lee répond à Yeon-so en disant qu'il vaut mieux qu'elle s'occupe de ses affaires personnelles. Mais Yeon-so devient encore plus en colère et dit à Lee que si le chien retourne à l'endroit d'où il vient, il s'évanouira à cause de sa température élevée. Lee est déterminé à refuser d'entendre les conseils de Yeon-so jusqu'à ce que son assistant arrive et prenne le chien et quitte les lieux. Au studio de tournage, Lee regarde le chien et remarque qu'il dort parce qu'il est très fatigué. Puis essaie de suivre les conseils de Yeon-so et met des sacs de glace sur le chien jusqu'à ce que son état s'améliore et finit par se rendre compte que Yeon-so avait le droit quand elle lui a dit que le chien ne devait pas retourner sur le studio de tournage. La nuit, Lee quitte l'entreprise et se dirige vers le parking et est surpris par la présence de certaines personnes qui tentent de l'attaquer et finalement de le kidnapper et au bout d'un moment, Lee reprend conscience et se retrouve ligoté dans un endroit étrange. Les deux hommes qui ont kidnappé Lee ne sont pas concentrés avec Lee qui profite de l'occasion et essaie de se libérer. L'un des hommes s'approche de Lee pour s'assurer qu'il est toujours inconscient, mais Lee le surprend et essaie de s'occuper des ravisseurs par la force, et il semble qu'il ait réussi à s'en débarrasser. Mais il se retourne et trouve un autre homme devant lui essayant de l'attaquer et de le poignarder avec un couteau. Mais Lee a pu résister à l'attaque de l'homme dans la douleur et tente ensuite de s'échapper avec difficulté car le coup de couteau était fort. Lee court sous la pluie et reste dans la rue jusqu'à ce qu'il voie Yeon-so, qui était aussi dans la rue, et est surprise quand elle trouve Lee devant elle, qui était en mauvais état. Yeon-so ne sait pas comment se comporter car elle est vétérinaire au point qu'elle allait appeler les pompiers au lieu des ambulances. Mais elle tient bon, pote Lee, l'emmène à sa clinique et le met par terre. Yeon-so essaie de nettoyer la plaie de Lee et gère la situation de toutes ses forces puis essaie de se lever. Mais Lee lui attrape la main et lui demande de rester à côté de lui et Yeon-so est obligé de dormir à côté de lui par terre et le lendemain matin, Lee se réveille confus et se souvient ensuite de ce qui lui est arrivé hier et découvre que Yeon-so est celui qui lui a sauvé la vie. Lee appelle l'un des employés de son entreprise pour l'aider et avant de partir, Lee laisse une carte avec son nom et son numéro de téléphone afin que Yeon-so puisse le contacter lorsqu'elle se réveille du sommeil. Mais le chat de Yeon-so laisse tomber la carte à la poubelle. Yeon-so se réveille du sommeil et ne trouve pas Lee à la clinique et est surpris par sa disparition soudaine. Depuis ce temps, Lee et Yeon-so attendent l'un l'autre pour entrer en contact, en particulier Lee, qui a estimé qu'il doit à Yeon-so parce qu'elle lui a sauvé la vie et a été surpris qu'elle ne l'ait pas appelé pour obtenir le prix pour lui avoir sauvé la vie et après une longue attente, Lee décide d'y aller seule pour payer les dettes de Yeon-so. Lee visite la clinique de Yeon-so plus d'une fois mais la trouve fermée et un jour, Lee voit Yeon-so passer devant lui et l'appelle rapidement et Yeon-so le voit et découvre qu'il est celui qu'elle a sauvé puis lui demande d'entrer dans la clinique avec elle.
Lee dit à Yeon-soo qu'il est incapable de vivre et qu'il est endetté envers quelqu'un. Lee demande à Yeon-soo de demander le montant qu'elle aimerait recevoir, mais la chose étrange que Yeon-soo écrit le prix des médicaments avec lesquels Lee a été traité dans sa clinique. Lee regarde le montant que Yeon-soo a écrit et rit et lui demande si elle fait semblant d'être une fille non gourmande. Yeon-soo regarde Lee et lui dit qu'elle ne prendra pas d'argent qui n'est pas son droit. Lee ne croit pas qu'il y ait une personne avec une moralité aussi élevée et propose à Yeon-soo d'installer une nouvelle clinique pour elle dans un meilleur endroit au lieu de sa petite clinique où elle travaille. Mais Yeon-soo rejette l'offre de Lee et lui dit qu'elle aime sa clinique et Lee doit quitter la clinique et est en colère contre la réaction étrange de Yeon-soo. Le lendemain, Yeon-soo découvre que le propriétaire de l'immeuble où se trouve sa clinique a changé parce qu'il a vendu l'immeuble et que le nouveau propriétaire veut démolir tout l'endroit. Yeon-soo est choquée car elle ne comprend pas pourquoi le nouveau propriétaire veut démolir l'immeuble et soudain, Yeon-soo reçoit un appel de Lee qui lui dit qu'il est le nouveau propriétaire de l'immeuble. Yeon-soo se met très en colère et elle n'a pas d'autre solution que de transférer ses affaires à la nouvelle clinique le plus tôt possible. Puis elle va rendre visite à son amie Gemma pour lui raconter tout ce qui s'est passé avec elle et est surprise par la présence de son ancien collègue Yeon, qui a été impressionné par elle avant de voyager pour travailler à l'étranger et le lendemain. Yeon-soo est obligé de transférer toutes ses affaires dans la nouvelle clinique que Lee lui a montrée. Pendant ce temps, Lee est au bureau et son assistant Kang entre dans le bureau et lui montre les photos de certaines filles et lui dit que c'est sa mère qui lui a envoyé ces photos et qu'il devrait rencontrer ces filles pour entrer dans une relation sérieuse avec l'un d'eux. Il est clair que Lee rejette complètement l'idée puis se rend à la clinique de Yeon-soo après avoir terminé le travail et s'assoit avec Yeon-soo qui mange. Yeon-soo invite Lee à manger avec elle mais Lee lui dit qu'il ne mange pas une telle nourriture et Yeon-soo n'insiste pas sur lui et le laisse à l'aise mais les actions de Yeon-soo provoquent Lee. Lee décide de manger avec Yeon-soo contre son gré, puis commence à manger avec elle et soudain, Yeon entre dans la clinique et Yeon-soo présente Lee à Yeon et il est clair d'après les regards de Lee qu'il est mal à l'aise avec Yeon d'être avec eux au point que quand il rentrait à la maison le soir, il aimerait envoyer un message à Yeon-soo lui demandant sa relation avec Yeon et revient sur sa décision. Le lendemain, Yeon-soo se rend avec son ami Gemma dans un restaurant et est surprise par la présence de Yeori, qui découvre que Yeon-soo a déménagé sa clinique dans un autre endroit et qu'elle voulait embarrasser Yeon-soo de quelque manière que ce soit et lui dit qu'elle devrait l'inviter à déjeuner puisqu'elle a déménagé dans une nouvelle clinique car Yeori sait que les prix des repas dans ce restaurant sont chers. Yeon-soo se sent nerveuse car elle est incapable de refuser l'invitation de Yeori à déjeuner avec elle car elle a peur d'être gênée et soudain, Yeon-soo regarde devant elle et est surprise par la présence de Lee qui sauve la situation et paie le déjeuner en entier puis attend Yeon-soo à l'extérieur du restaurant. Yeon-soo sort du restaurant et tout le monde est surpris de voir Lee demander à Yeon-soo de monter dans la voiture et Yeori semble bouillir de l'intérieur à cause de la haine qui est en elle envers Yeon-soo. Lee propose à Yeon-soo de jouer le rôle de sa petite amie pendant 3 mois devant tout le monde et le but de ce plan est de convaincre sa mère qu'il a une liaison avec une fille de son choix. Lee remarque que Yeon-soo est timide et se rend compte qu'elle parle et se rapproche d'un homme pour la première fois de sa vie, et Yeon-soo part sans savoir ce qu'elle fera de l'offre de Lee, qui l'appelait beaucoup pour connaître son opinion sur l'offre. Mais Yeon-soo ne répond jamais à ses appels, puis décide de lui rendre visite à la clinique pour lui expliquer les détails de l'offre. Lee dit à Yeon-soo qu'elle signera un contrat pour entrer en relation avec lui pendant 3 mois en échange de devenir la propriétaire de la clinique. Yeon-soo est surpris par les paroles de Lee, qui lui dit que la clinique n'est pas sa propriété et qu'elle doit payer un loyer chaque mois et il semble qu'il essaie de faire pression sur Yeon-soo pour qu'il accepte son offre le plus tôt possible. Yeon-soo est finalement obligé d'accepter l'offre de Lee et signe ensuite le contrat dans lequel il y a une clause disant que Yeon-soo doit rencontrer Lee tous les jours et qu'elle n'a pas le droit de rencontrer ou d'entrer en relation avec un autre homme que lui et la condition la plus importante dans le contrat est que Yeon-soo ne parle à personne du contrat entre quoi qu'il arrive. Les deux commencent à mettre en œuvre les termes de leur contrat et il semble que Lee soit présent dans tous les endroits où Yeon-soo est et est également présent dans l'endroit où Yeon-soo apprend des cours de danse. Lee est heureux parce que Yeon sait que Yeon-soo est en couple avec lui car il a remarqué que Yeon est jaloux de Lee depuis le premier jour où il l'a vu avec Yeon-soo, qui ne comprend pas la personnalité de Lee et ne sait pas comment le satisfaire même si elle le rencontre tous les jours. Yeon-soo pense beaucoup toute la journée aux actions de Lee et a toujours eu peur de violer les termes du contrat qu'elle a signé et un jour, Yeon-soo décide de s'isoler des gens et de Lee et accroche un papier à la porte de sa clinique dans lequel elle écrit que la clinique a été fermée pour des raisons personnelles, puis prend une photo du papier et l'envoie à Lee, qui se rend à la clinique et la trouve fermée.
Lee appelle souvent Nonso, mais elle ne lui répond pas, et en même temps, la mère de Lee le pousse à envoyer des photos des filles avec son assistant et lui demande de rencontrer les filles dès que possible. Lee ne trouve pas de solution au problème puis envoie un message à Yonso et lui dit que si elle refuse de répondre à ses messages, il effectuera toutes les procédures légales qui existent dans le contrat. Yonso est obligé de répondre aux appels de Lee, qui lui dit qu'il l'attend dehors, et après que Yonso soit sorti, Lee lui demande de l'accompagner à une fête organisée par le directeur d'une autre entreprise. Yonso rencontre Yori, qui semble contrarié que Yonso soit dans un endroit respectable avec elle. Yori essaie d'insulter Yonso comme d'habitude et lui dit que Lee est sûr de la divertir, mais Lee serre Yonso dans ses bras devant Yori afin de lui assurer qu'il aime Yonso. Dans un moment romantique, Lee embrasse Yonso d'une étrange manière devant les invités comme s'il était son véritable amant car il a complètement oublié l'accord entre eux et après la fin de la fête. Lee emmène Yonso chez elle et lui dit que ce qui s'est passé entre eux aujourd'hui était une erreur et lui demande d'oublier cette journée. Mais Yonso sort de la voiture et est très contrarié à cause des paroles de Lee. Lee se réprimande pour avoir provoqué Yonso en lui parlant et il semble que les deux ne se parlent pas depuis longtemps et un jour, Yonso dansait avec Yon mais elle se fait une entorse au pied et Yon essaie de l'aider et soudain, Lee se présente et demande à Yon de rester à l'écart de Yonso puis la porte et sort pour l'emmener à l'hôpital. Lee s'excuse auprès de Yonso pour les mots blessants qu'il lui a dit plus tôt et lui dit qu'il ne voulait pas lui parler de cette façon. Puis reste avec elle toute la nuit jusqu'à ce que son pied guérisse et il est clair qu'il est devenu un tel fan de Yonso qu'il lui parle à chaque minute pour la surveiller. Lee décide de demander à Yonso de vivre avec lui dans la même maison et sous le même toit. Mais les sentiments de Yonso deviennent troublés car elle pense qu'ils ne sont en relation que dans le contrat et dit à Lee que l'homme avec qui elle va vivre dans la même maison doit être son véritable amant. Lee regarde dans les yeux de Yonso avec fierté et lui avoue ouvertement qu'il l'aime vraiment et voit que s'ils vivaient ensemble dans la même maison et pouvaient reconnaître les défauts de l'autre et pourraient ne plus y penser. Yonso est nerveuse et ne sait pas comment elle peut agir face à la décision soudaine de Lee. Un jour, Yonso dansait avec Yon et soudain, Lee entre dans la salle de danse et attrape la main de Yonso et lui demande de terminer la danse avec lui tout en dansant l'un avec l'autre. Les deux commencent à se rappeler leurs souvenirs l'un avec l'autre et comment ils ont appris à se connaître et il est clair que Yonso a échangé les mêmes sentiments avec Lee et est tombé amoureux de lui sans ressentir. Yonso décide d'emménager avec Lee chez lui et lors de sa première nuit à la maison, il pleuvait et il y avait beaucoup de vent et Yonso entend le bruit du tonnerre et se met à crier mais elle voit Lee devant et le serre dans ses bras de peur mais Lee est gêné et ne sait pas comment se comporter dans une telle situation. Le lendemain, Lee emmène Yonso à la clinique puis se rend à son travail mais il regarde dans le rétroviseur de sa voiture et voyons avec Yonso et on dirait qu'il est venu lui rendre visite pour lui dire au revoir car il va voyager pour terminer ses études. Lee appelle Yonso et était sur le point de la gronder pour avoir parlé avec Yon mais Yonso lui dit que Yon est venu que pour lui dire au revoir. Après quelques jours, la façon dont les deux se traitaient a commencé à changer car ils ont commencé à se traiter plus gentiment et leur intérêt l'un pour l'autre est plus grand que la fois précédente. Yonso était tellement occupée à la clinique qu'elle est devenue souvent absente de la maison et la nuit. Lee rend visite à Yonso à la clinique et les deux confessent leur amour l'un pour l'autre pour la première fois. Le lendemain, Yonso est surpris par la présence d'un étranger dans la maison et a peur de sa présence, mais l'étranger se présente à elle et lui dit qu'il s'appelle John et qu'il est considéré comme le frère de Lee et pendant ce temps, Lee découvre que son frère John est rentré de Corée et est maintenant chez lui. Puis décide de rentrer rapidement chez lui car il ne fait manifestement pas confiance à son frère. Le frère de Lee se tient avec Yonso dans la cuisine et lui pose des questions sur elle-même et sa famille et Yonso répond en disant qu'elle appartient à une famille simple qui possède une petite ferme mais le frère de Lee la conseille en disant qu'il vaut mieux pour elle de ne pas dire à la mère de Lee qu'elle est juste une pauvre fille et soudain, Lee arrive à la maison et regarde son frère très nerveusement. Il est clair que Lee n'aime pas avoir son frère à la maison et la raison en est que son frère a séduit la première fille que Lee aimait et à la fin du conflit entre lui et son frère. Aucun d'eux n'a épousé cette fille parce qu'elle a épousé quelqu'un d'autre et donc Lee ne fait pas confiance à son frère et n'est pas rassuré d'être avec lui dans la même maison. Mais Yonso a eu un très grand rôle pour que les frères n'aient aucun sentiment d'aversion l'un pour l'autre. Yonso traite bien le frère de Lee comme sa grande sœur et tous les trois jouent avec de l'eau dans le jardin de la maison et s'amusent ensemble et soudain, la mère de Lee arrive de voyage et elle a évidemment une mauvaise idée de Yonso et tout ce qu'elle voit c'est qu'elle est une pauvre fille essayant de séduire son fils pour obtenir son argent puis lui demande de quitter la maison immédiatement parce qu'elle ne lui fait pas confiance.
Yeon-so quitte la maison très gêné, mais Lee essaie de la rattraper et le frère de Lee part à sa mère et lui dit que Yeon-so est une gentille fille et ne mérite pas ce traitement. Lee s'excuse auprès de Yeon-so à cause des paroles de sa mère puis se rend à la clinique avec elle et reste avec elle toute la journée afin de ne pas rester seul, mais Yeon-so lui demande de retourner auprès de sa mère. Lee rentre chez lui et trouve sa mère qui l'attend et lui dit qu'elle passera le test pour Yeon-so pour s'assurer qu'elle l'aime et que sa réussite au test est la preuve de son amour pour lui. La mère de Lee lui propose un accord avant son mariage avec Yeon-so et il est clair que les conditions qui existent dans le contrat sont très dures. Lee regarde sa mère et est surpris par ses actions. La nuit, la mère de Lee rend visite à Yeon-so et lui présente le nouveau contrat et lui demande de le signer. Mais Yeon-so refuse de signer le contrat et dit à la mère de Lee qu'elle n'épousera pas Lee selon les conditions du contrat. Lee arrive à la clinique et essaie de convaincre Yeon-so d'accepter les conditions du contrat car la durée du contrat n'est que d'un an et ils peuvent vivre comme n'importe quel couple après un an. Yeon-so est catégorique en rejetant les dures conditions du contrat et dit à Lee qu'elle quittera la clinique et sacrifiera tout si Lee respecte l'accord. Lee se met très en colère et accepte le départ de Yeon-so, qui récupère ses affaires à la clinique et une tristesse extrême apparaît sur ses traits du visage. Lee est assise à la maison très triste et incapable d'accepter l'idée du départ de Yeon-so. Yeon-so envoie une vidéo à Lee et il semble qu'elle ait filmé la vidéo avant son départ et dit dans la vidéo qu'elle aime beaucoup Lee, mais il est impossible d'appliquer les conditions du contrat de mariage, y compris abandonner son enfant en cas de naissance, puis lui dire au revoir et la vidéo se termine et le lendemain, Yeon-so était à la ferme de sa famille et a laissé son frère à la clinique. Mais Lee le rencontre et découvre en discutant avec lui où se trouve Yeon-so. Pendant ce temps, la mère de Lee découvre grâce à sa conversation avec l'assistant de Lee que son fils Lee a déjà été kidnappé et était sur le point de mourir. Mais c'est Yeon-su qui l'a sauvé. Puis elle ressent des remords pour ses actions avec Yeon-so et à la fin de la série, Lee a réussi à se rendre chez Yeon-so et leur histoire d'amour se termine par le mariage de l'homme d'affaires Lee avec le vétérinaire Yeon-so.